Allez-y, madame. Je vais demander en revanche à chacun de faire preuve de beaucoup de concision, si c'est possible. On essaiera d'en faire autant. Je vais poser une question qui peut-être aura des pâquerettes, j'assume. Je voulais demander, je n'ignore pas, donc je dis avant tout que c'est un métier difficile de se retrouver. Bon, je vais peut-être parler un petit peu de l'école primaire, je ne peux pas parler de tout peut-être. Voilà. Quand il y a trop d'élèves et que un élève se trouve avec des petits moyens, mais se trouve avoir la chance d'avoir un... Bon, je ne sais pas si c'est une chance, mais enfin bon, disons, un QI plutôt élevé et qui s'ennuie à la fin en classe parce que il n'y a pas assez de personnel, enfin j'imagine, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Voilà. Alors j'ai presque terminé. Par contre, s'il y a un besoin d'aller aux toilettes, comme il n'y a pas assez de personnel, personne ne va aux toilettes dans la classe. Je parle du primaire. Hein. Alors, ils ont appris à se retenir. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Donc, c'est pour ça que je dis ça bat des cacrètes, mais je trouve que c'est très important, parce que ça veut dire quoi, alors? Ça veut dire quoi? Voilà. Merci. J'ai presque fini. Hein. Ah, pardon. Et, alors, voilà. Vous l'aviez dit au avant. Niveau des langues, vous voyez, par exemple, en CE1, maintenant, il y a la plupart des écoles... CE1, pardon. La plupart des enfants apprennent l'anglais. Plutôt que l'allemand, enfin je sais pas, dites-moi si je me trompe. Et là, il y a même plus d'anglais. Et comme il y a tellement de remplacements, de maladies, etc. Parce que c'est très difficile à assumer ce métier. Finalement, ils apprennent pratiquement plus de langue, quoi. Je parle d'une école en particulier, mais c'est école. Je suis sûre que c'est multiplié. Ça sent le témoignage vécu. Merci beaucoup, madame. On essaiera de vous répondre. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais j'ai bien noté à la fois la question de la précocité, les toilettes et l'enseignement des langues vivantes. Je crois qu'il y a une personne devant vous qui levait la main également. Bonjour. Madame. Vous avez entendu parler de beaucoup de choses positives et intéressantes, notamment donc donner l'envie, faire confiance, révéler donc les compétences des enfants, etc. Mais qu'est-ce qui fait en fait qu'on n'y arrive pas ? Qu'aujourd'hui, le constat, c'est l'échec scolaire, c'est l'abandon du système scolaire sans aucune qualification, c'est les inégalités et puis un petit peu la violence. Donc pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en fait ? Merci, vous allez me les réénerver parce qu'ils ont quand même tous commencé par dire il y a un tas de choses formidables qui se passent, j'imagine qu'ils vont le répéter. Monsieur ? Je vous ai vu, madame. Oui, vous en faites pas. Le micro arrive, ce sera mieux pour tout le monde. Sur votre droite, il arrive, le micro. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon, je ne suis pas un professionnel de l'éducation. Simplement, je vais vous retracer, mais en une minute, simplement, mon profil. Moi, j'arrive de la campagne. Je suis un ancien, donc j'ai bénéficié des concours d'entrée en sixième. J'ai bénéficié de bourses, j'ai bénéficié d'internats, ça existait. Et j'ai fini en grandes écoles, et maintenant je suis retraité. J'ai entendu beaucoup de choses, des choses que je trouve qui ne servent à rien. Une chose importante que j'ai entendue du juge, qui recoupe un peu ce qu'a dit M. Blanquet. L'important, c'est de s'occuper, de ne pas louper les gosses entre 3 ans et 8 ans, en gros. Et bien évidemment, pour ne pas les louper, il faut s'occuper des parents. J'aimerais bien savoir ce que vous pouvez proposer pour persuader des enfants, souvent issus de l'immigration actuelle, je ne parle pas de l'immigration d'il y a 60 ans, de mes copains d'école, qui étaient quelquefois fils d'Espagnols ou de Polonais. Leurs parents les envoyaient à l'école. Ils voulaient qu'ils aillent à l'école. Ils savaient que c'était important. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne vis pas dans les banlieues. Mais qu'est-ce que vous voyez comme action propre à persuader ces parents immigrés, souvent disons de classe défavorisée, comme vous dites, de les persuader qu'il faut qu'ils envoient leurs enfants aux écoles. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Je pense que vous aurez des réponses à cette question. On va avancer le micro. Monsieur, tenez, vous le faites passer 2 rangs devant. Vous reviendrez un rang derrière sur la droite. Donc, Claude Camus, j'ai 37 ans et demi, formateur en IUFM. Là. Je voulais demander à M. Blanquer comment vous vivez la réforme que vous avez mise en place il y a 2 ans, compte tenu qu'on sait que tous les 10 ans, les connaissances se multiplient par 2 et que vous avez réduit la semaine scolaire à 4 jours. Juste derrière vous, monsieur. Madame. Bonjour. Mademoiselle. Moi, j'ai juste une question à poser. C'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'en matière d'école publique,
Il y a un manque d'investissement sur les nouveaux modes de communication des jeunes, je pense notamment du numérique. Derrière, il y a un monsieur au centre. Alors, allez-y, madame, pardonnez-moi. Et ensuite, le jeune homme et madame. Et ensuite, on reviendra autour de la table, des tables. Dans le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire changer ou changer de méthode, il y a, il me semble, une question très importante qui n'a pas été encore évoquée, c'est la formation des maîtres, tant initiale que continue. Parce que si on veut changer le mode d'enseignement du système didactique traditionnel à des modes, comme vous dites, de travail de groupe, etc., intégrer les moyens qui sont mis à la disposition des maîtres, eh ben, les enfants savent le faire, mais pas les profs. C'est vrai que ça n'a pas été abordé, sauf en creux, quand monsieur a dit qu'il avait été dans les IUFM, qui sont les instituts universitaires, au centre, au jeune homme, voilà. Pendant ce temps, Jean-Pierre Rosenzweig me glisse qu'il a appris à son prof, un de ses profs, j'imagine, quand il était enfant, à se servir d'une télévision. Bonjour, je suis élève de première dans le lycée et j'aime beaucoup entreprendre, je voudrais mener de grands projets. J'ai dans l'occasion du CVL, le Conseil de vie lycéenne, j'ai pu remarquer qu'il est très difficile avec les principaux de pouvoir mener des projets, les mener à bien et d'aboutir. Donc moi j'ai trouvé la solution de l'association, mais bon, c'est pas très adapté, c'est assez lourd et bon, j'en suis qu'au début. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Continuez, vous dit Jean-Pierre Rosenzweig, je pense que les autres vous le diront aussi. Madame, qui je pense a été dans les premières à attraper mon regard, je sais pas si vous étiez dans les premières à lever la main, mais donc je me dois. Et alors encore deux questions au fond et après... Oui, bonjour. Moi, j'étais du monde de la culture et maintenant, je suis de l'éducation nationale. C'était pour demander, Madame Tasca, je crois qu'il y avait eu le plan de Tasca qui est relié au ministère de la Culture au ministère de l'Éducation nationale. Et j'avais été invitée au prix Artiste pour la paix par l'UNESCO qui dit, pour rebondir auprès de Monsieur Rosenzweig et Monsieur Blanquet, que même très jeune, même avant les 3 ans, dès la maternelle, l'ouverture d'esprit passe par la culture et donc permette... un rapport éducation nationale culture qui est peut-être important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore en cours par rapport à ce plan, Madame Tasca? Plan Tasca, voilà. Merci. Plan Tasca langue qui doit dater de 2001. Il y a au fond, voilà. Donc on remercie d'ailleurs les personnes qui passent les micros. Oui. Bonjour. Ça a été un tout petit peu abordé. Je voulais revenir sur la question de l'envie. On fabrique de très très beaux perroquets, mais on ne leur aide pas. Marc Drilech en a un petit peu parlé quand il a parlé de son voyage après le bac, mais je crois que c'est bien plus tôt que ça qu'il faut faire quelque chose. Comment on fortifie l'esprit de nos enfants? Comment on leur donne envie de savoir ce qu'ils ne savent pas encore? Comment on développe leur esprit critique? Parce que aujourd'hui, un enfant qui arrive en sixième, je suis moi-même maman, ils n'ont pas d'avis, ils apprennent et puis... Alors, on est là pour ça, mais il y a beaucoup de parents qui n'ont pas la possibilité, on l'a beaucoup dit. Comment, dans le système scolaire, on leur permet d'être curieux? Comment on les aide à développer cette curiosité, cet esprit critique qui, je pense, est la clé de tout pour la suite? Merci beaucoup. Donner envie concrètement, comment on s'y prend? 3 rangs au-dessus, il y a une jeune femme qui juste au-dessus de vous. Voilà. Et après, je vais repasser la parole à la salle, parce qu'il y a déjà un... Et je vous donne... 12 secondes pour répondre. Bonjour, cette question s'adresse plus particulièrement à Monsieur Descoings. J'aurais aimé avoir quelques conseils parce que je suis étudiante d'une école de commerce privée, école supérieure de gestion, et je ressens une frustration car mon ambition est plus haute que mes capacités et que mes compétences, c'est-à-dire que j'aimerais accéder à un poste aussi haut que quelqu'un qui aurait fait une grande école, mais j'ai souvent des barrières devant moi. Alors, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir autant de chance que quelqu'un qui a fait Sciences Po ou HEC? Merci. Et faites attention, tout ça est enregistré. Bon, beaucoup de questions, c'est pas évident à organiser. Il y a quand même une demande, messieurs, je trouve assez claire, qui émane d'un certain nombre de questions autour de... Je vous la fais un peu brutalement, mais enfin, vous êtes bien gentil, l'envie, le désir, le etc. Maintenant, concrètement, comment on fait? Je veux dire, c'était aussi bien la question que posait monsieur en disant comment on réussit à intéresser des élèves qui sont pas très intéressés. Ce que disait madame à propos de son fils en sixième, c'est ressorti sous d'autres formes.
Je veux bien commencer à répondre. J'ai avec plaisir. On va essayer d'être. Plus on sera synthétique, d'accord, plus on réussira à vous repasser la parole une dernière fois. Bon, l'un des principes directeurs que l'on peut avoir aujourd'hui sur le système éducatif en général, c'est de considérer que la question de l'égalité des élèves, c'est-à-dire qu'ils aient tous un droit à l'éducation de même nature, et la question de la personnalisation du parcours de l'élève ne soit pas considérée comme deux choses antinomiques, mais au contraire comme étant l'une au service de l'autre. Le fait d'être capable de personnaliser ce que l'on fait pour l'élève doit permettre de garantir le droit à l'égalité et le droit à l'éducation. Et ça, c'est, je crois, un point qui traverse plusieurs questions qui ont été posées, aussi bien la dernière que la première, par exemple. Sur la première, par exemple, le cas des élèves précoces a été souligné. C'est vrai qu'il y a des élèves qui sont... dont le quotient intellectuel est évalué comme très, très élevé dès les débuts de l'école primaire et qui sont en difficulté à l'école primaire à cause même d'atouts qu'ils ont mais qui ne correspondent pas à l'institution scolaire. Eh bien, il se passe beaucoup plus de choses positives pour eux aujourd'hui qu'hier et encore plus qu'avant-hier. Je tiens à le dire par rapport à la morosité parfois présente dans certains propos. Autrement dit, aujourd'hui, et même si ça n'est pas parfait, on peut faire encore mieux, mais aujourd'hui, l'éducation nationale est organisée pour traiter ce genre de cas. Il y a des réseaux d'établissements pour les enfants précoces. Et par exemple, dans l'Académie de Créteil, on a créé il y a un an et demi un réseau des collèges pour les élèves précoces. Et nous avons encore de grandes marges de progrès qualitatives et quantitatives sur le sujet, parce que ça n'est pas un sujet simple. Mais nous savons beaucoup mieux personnaliser aujourd'hui qu'hier à l'éducation nationale. Ce socle commun de connaissances et de compétences dont j'ai parlé tout à l'heure signifie que chaque élève aura dans le futur un livret de connaissances et de compétences qui permettra pour chacun de voir où il en est dans l'évolution de ses apprentissages. Je vais donc forcément vite. Quand vous avez parlé de la semaine de 4 jours, il y avait... Bon, alors, je saute... Sur la semaine des 4 jours. Là encore, c'est un problème un petit peu d'interprétation du réel. Ce qui a été supprimé, c'est le samedi matin. Le samedi matin a été supprimé il y a 2 ans. La plupart des enquêtes montrent que c'est plutôt à la satisfaction générale. Le samedi matin, tous les élèves n'allaient pas à l'école. Et le problème, c'était surtout les élèves des familles défavorisées qui pâtissaient de cette réalité. Et de toutes les façons, les enfants de France, à l'école primaire, comme d'ailleurs à d'autres niveaux, font beaucoup plus d'heures, y compris hebdomadaires, que les élèves des autres pays. Donc le problème n'était pas de manquer d'heures de cours, mais de mieux répartir les heures de cours. À partir de là, le ministre de l'époque a dit que ça doit se répartir en 8 ou 9 demi-journées. Autrement dit, soit la semaine de 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, soit lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi. Que s'est-il passé ? 95% des écoles du pays ont choisi la semaine de 4 jours. On peut le regretter. Je fais partie des gens qui pensent que ce n'est pas forcément une bonne chose. Et d'ailleurs, on en a parlé il y a 3 semaines, puisque la circulaire de rentrée que je signe a encouragé à ce que l'on explore la voie du mercredi matin. Je pense qu'il est bon pour l'enfant d'avoir à peu près le même rythme toute la semaine et donc d'aller aussi à l'école le mercredi matin et de mieux répartir les heures. Si on en est là, ça n'est pas donc une régression par rapport à la situation antérieure, puisque cette évolution a permis justement de mettre en place les 2 heures d'aide personnalisée dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si on en est là, c'est souvent aussi parce que le monde des adultes s'entend sur le dos du monde des enfants. Autrement dit, on a... Merci. Concrètement, on a sur le terrain une connivence des adultes, c'est-à-dire la collectivité locale, les parents, les professeurs, pour qui c'est plus pratique de mettre sur 4 jours que sur 4 jours et demi, et qui arrivent à cette solution. Mais réglementairement, les conditions existent pour la faire sur 5 jours, et c'est probablement souhaitable. En tout cas, il faut en juger en fonction de l'intérêt de l'enfant. Alors, je vais forcément très vite, mais... Juste dire que cette décision de rythme, elle est prise par les conseils d'école dans lesquels les parents d'élèves sont représentés. C'est l'issue d'un vote. C'est pas une décision prise, imposée par le ministère. Je le dis parce que tout le monde connaît peut-être pas les modalités de décision. Et donc, c'est bien les adultes qui décident. Oui, on a compris que vous estimiez que... Alors, je vais forcément... Forcément, reviendra au besoin. La question de... Quelle action pour persuader davantage les parents d'envoyer leurs enfants à l'école? C'est un peu la question qu'on a abordée avant sur que j'appelle celle de la convergence des valeurs entre l'école et la famille. C'est un de nos grands défis. Nous savons bien que nous faisons réussir les enfants quand nous avons réussi à impliquer les familles dans l'éducation de l'enfant. C'est vraiment une clé fondamentale. Et donc, les actions, j'ai parlé tout à l'heure de la mallette des parents, mais il y en a d'autres. Et à l'école primaire, beaucoup de choses se développent actuellement.
Une des tâches que nous avons et sur lesquelles nous travaillons beaucoup, c'est d'arriver à systématiser ça. C'est-à-dire que nous devons arriver à faire que ça devienne ordinaire dans les écoles et les collèges de France que d'inviter beaucoup plus les parents à venir et de les inviter dans le cadre de moments spéciaux faits pour ça, que ça fasse partie dans les temps à venir de l'organisation. Ça existe aujourd'hui, mais maintenant nous devons arriver à le systématiser et je considère que c'est un des points majeurs. Et puis il y a les valeurs que nous véhiculons. Et ça, je crois que ça va évidemment bien au-delà de l'école. C'est la question du statut du savoir aujourd'hui dans notre société. C'est la question qui a été évoquée à la fin de la capacité à provoquer le désir de savoir chez l'enfant dès le plus jeune âge. Donc ça renvoie à des sujets qui vont même très au-delà de l'éducation nationale. Mais ça renvoie à la question qui doit rester centrale pour nous tous quand on parle d'éducation, c'est-à-dire la question de la pédagogie qui a été évoquée. Comment les maîtres aujourd'hui sont-ils en mesure, la société étant comme elle est, de communiquer le désir de savoir, le désir d'apprendre. Et ça, pour ça, il n'y a pas de. Nous ne sommes pas dans une situation nécessairement fatale et négative sur ce sujet. Ce serait un autre débat, mais je crois que nous avons au contraire beaucoup de pistes aujourd'hui pour développer d'une autre manière, de façon renouvelée, le désir de savoir qui est à l'origine de la réussite de l'élève. Un dernier mot, parce que ça, je pense que vous êtes le mieux placé autour de la table pour réagir à cette question-là. Et ce n'est pas sans lien quand vous dites aider les maîtres à créer, à entretenir ce désir de savoir, c'est la question qui a été posée de la formation des enseignants et aussi bien de la formation initiale que ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire au bout de 10 ou 15 ans. Ce que disait d'ailleurs Marc Drilèche à propos de ses diplômés ingénieurs peut valoir pour des enseignants. Après tout, on a bien le droit au bout de 10, 15, 20, 25 ans de continuer à se former. La formation des enseignants, c'est un grand sujet en ce moment, puisque la masterisation fait que beaucoup de gens se posent des questions sur la qualité de la formation des enseignants. Bon, le fait que tous les enseignants auront un master dans le futur, ça correspond à un standard européen qui en plus était réclamé par beaucoup. Aujourd'hui, maintenant qu'on l'a, beaucoup de gens s'inquiètent. Je crois qu'il faut quand même montrer qu'un certain nombre d'accompagnements vont se réaliser, notamment pour que les futurs enseignants fassent des stages approfondis avant d'entrer en fonction. Mais surtout pour qu'au moment où ils entrent en fonction, le mécanisme du compagnonnage que nous mettons en place soit un mécanisme qui permette aux aînés, aux professeurs expérimentés, d'aider le professeur qui entre. Donc il faut aussi faire confiance aux universités. Aujourd'hui, les universités françaises, comme pour tous les autres pays du monde, sont positionnées de façon responsable pour former les enseignants et pour que ces enseignants soient adaptés aux défis d'aujourd'hui. Donc là, je crois qu'il faut mettre cela en parallèle avec la confiance qu'on doit avoir dans le système universitaire, dans l'amélioration de notre système universitaire et dans la relation école-université, qui est quelque chose qui fonctionne dans tous les pays du monde, ou en tout cas chez nos voisins, et que nous devons faire fonctionner dans le futur pour avoir des professeurs adaptés. Par exemple, à la question du numérique qui a été abordée tout à l'heure. Oui. Qui est aussi un sujet qui a énormément évolué ces dernières années et qui va encore beaucoup évoluer parce qu'elle est au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Avec la multiplication des environnements numériques de travail, etc. Merci Jean-Michel Blanquer, Marc Drilèche, oui. Jean-Pierre Rosenzweig et Richard Descoings. Dans cet ordre, Marc Drilèche. Je voudrais simplement revenir sur le bout du processus, l'école, l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle. Qui va créer les emplois? Les entreprises. Les entreprises, voleurs, escrocs, exploiteurs, tout ce qu'on veut, c'est elles qui créeront les emplois. Par conséquent, d'une part, sans doute, faut-il un peu plus valoriser les entreprises de notre pays, et deuxièmement, surtout, valoriser l'esprit d'entreprendre. Pour valoriser l'esprit d'entreprendre, ça veut dire qu'il faut que les lieux d'éducation soient aussi des lieux d'expression, de l'initiative, de la vie associative, de tout ce qui fait que quelqu'un peut se réaliser autrement que par l'apprentissage et la répétition. Ce qui signifie naturellement des évolutions de mentalité, on le comprend, pas seulement des moyens, je ne crois pas, mais de la valorisation et du temps. Le primaire, le secondaire, ce sont des lieux qui doivent être des lieux de création d'envie de faire, de création d'envie d'entreprendre, et pas simplement des lieux dans lesquels on assimile des savoirs. Le jour où nous aurons cela, nous aurons des jeunes qui sans doute auront un rapport à l'enseignement beaucoup plus, je dirais, relaxé. Et deuxièmement, nous pourrons sans doute favoriser des jeunes qui ne sont pas parfaitement à l'aise dans le moule de l'apprentissage traditionnel, mais qui vivent parfaitement bien autrement un apprentissage par projet ou par passion. Merci Marc Drilèche. Jean-Pierre Rosenzweig. Je voudrais répondre à la question que posait monsieur
sur les enfants issus d'immigration, en sachant que c'est généralement, dans la justice c'est fantastique, mais c'est d'une manière générale, c'est toujours à partir des étrangers que l'on voit le mieux nos problèmes. Ils nous renvoient de manière déformée les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et si on élargit donc le focus de votre question, celle qui est posée, c'est celle des responsabilités parentales. Alors, il y a deux manières de la voir, soit en fustigeant les parents qui sont des missionnaires et qui n'envoient pas les gosses à l'école et ne soutiennent pas, et en les punissant à l'argent, puisqu'on est dans une société capitaliste, autant les punir là où ça fait mal. Et on connaît par exemple, en supprimant les allocations ? Oui, par exemple, les allocations familiales. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des mécanismes pour garantir que les allocations familiales sont bien utilisées dans l'intérêt des enfants, mais ce mécanisme existe depuis 1946. Donc la question qui est posée, c'est celle des responsabilités parentales. Et volontairement, mais ce n'est pas de la polémique, mais c'est volontairement pour éclairer. Hein. Je vais mettre en contrepoint de ce qui était sous-jacent dans le discours de M. Blanquer, qui était un discours institutionnel. Je caricature, hein, on se connaît suffisamment pour que vous le compreniez bien. Qui était de savoir comment les parents vont se mettre au service de l'éducation nationale. Moi, j'aurais tendance à inverser l'ordre des choses. Et j'ai dit tout à l'heure, de mon point de vue, et articles 34 et 37 de la Constitution, ce n'est pas seulement que mon point de vue, l'éducation est d'abord parentale. La question qui est posée, c'est comment l'éducation nationale se met au service des parents pour éduquer leurs gosses et comment finalement elle va y trouver son compte au deuxième degré. Et il ne suffit pas seulement de rappeler la loi. Il s'agit, formellement, l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans, il s'agit de faire passer le message sur le sens de la loi. Depuis 1968, on ne parle plus du contenu des règles du jeu. Il ne s'agit pas seulement de réaffirmer les règles du jeu. Pourquoi il y a une ligne blanche au milieu des chaussées ? Pourquoi il y a des feux rouges et pourquoi il y a des stops ? Et pourquoi on le respecte ? On ne le respecte pas parce qu'on a peur des policiers. On le respecte, c'est ce que mon papa m'a appris, c'est parce que ça va te sauver la vie et tu ne tueras personne. C'est l'objectif qui doit être visé et qui doit être rappelé. Or, on ne le rappelle pas. Et pour répondre maintenant très concrètement à votre question, oui, en direction d'une partie de l'immigration de France, mon père était immigré, ma mère aussi, hein, donc en direction d'une partie de l'immigration de France, il faut non seulement rappeler les lois, mais le sens des lois, et mettre en œuvre le contenu d'accès à la mise en œuvre de ces droits. Et ça passe par la réponse précise à la question que vous posez tout à l'heure, ou des pistes, je pense qu'effectivement, et quitte à être mal compris, il faut faire en sorte que ces mères et ces pères de famille, mais surtout ces mères de famille qui ont un rôle important, parlent français, et qu'elles se libèrent elles-mêmes de ne pas parler français. Et il faut oser le dire, que c'est un service à leur rendre et à rendre aux gosses, que de, non pas de rendre l'apprentissage du français obligatoire, mais de mettre en place des mécanismes qui vont vers le fait qu'elles puissent parler français. Parce que si elles ne comprennent pas les institutions, comment vont-elles pouvoir soutenir leurs gosses dans leur rapport aux institutions ? Elles sont formellement là. Le juge, il a dit que je ne vais pas à l'école. C'est le gamin qui traduit à sa mère les reproches que je lui fais. Deuxièmement, il faut développer les réseaux d'aide à la parentalité. Les REAP qui ont été mis en place par Ségolène Royal en 1999, sauf erreur de ma part, et qui ont été repris par tous les gouvernements qui se sont succédés, un peu dans la démarche québécoise, comment des parents, et on rajoute des professionnels, vont en aide à des parents, c'est recréer du tissu social, non pas en fustigeant les gens, mais en les accompagnant dans l'exercice de leurs droits. Puis troisièmement, il y a effectivement des campagnes de communication, enfin bon, ça c'est ma conclusion, troisièmement, il y a effectivement à mettre ensemble, quitte à être provocateur, des parents et des enfants à l'école. Parce qu'on le voit bien, nous qui avons fait des études supérieures, si on n'a pas des parents qui connaissent ce que c'est que faire des études supérieures, ils ne vous laissent pas travailler, ils vous font chier en permanence. Moi, tous mes enfants ont fait des grandes... Mais je ne me suis pas occupé d'eux. Ma femme m'a dit, tu démissionnes, je lui écoute. Ils savent très bien ce que c'est travailler, ils nous ont vus travailler. Mais on sait bien que quand des parents sont anxieux sur la réussite de leur gosse, ils créent de l'angoisse en direction de leur gosse. Il faut leur apprendre. Et... Je ne pensais pas que c'était si important que ça, mais enfin, si vous le dites, c'est que ça a l'air bien compris, en dépit de vos inquiétudes. Mais c'est fondamental. J'espère que vous êtes applaudi pour les bonnes raisons, oui, maintenant. Non, je crois, oui. Donc, je termine mon propos, parce qu'il faut être très rapide. Je pense qu'effectivement, un peu comme nous avions ouvert les écoles pendant l'été, en direction des jeunes en difficulté, avec le recteur Gauthier en 1983, je pense qu'il faut ouvrir les écoles aux parents, non pas pour qu'ils prennent le pouvoir, mais que sur un centre d'activité, ils apprennent avec leurs gosses et avec d'autres gosses. Et la conclusion de tout ça, de mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas faire des lois et faire des décrets et faire des arrêtés. Il faut communiquer à travers les médias qui sont les nôtres. Il faut reparler du sens social et pas seulement faire des lois. Et c'est ce qui manque en direction des populations issues d'immigration qui, et c'est fantastique, ils croient tellement dans la République qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour utiliser la République. Merci Jean-Pierre Rosenweg.
un mot, puisque vous l'avez interpellé, forcément il me réclame la parole. Un tout petit mot pour Jean-Michel Blanquer, et je demanderai ensuite à Richard Descoings de conclure également, et puis de, peut-être de synthétiser tout ça. Si on se pose, c'est l'école de la synthèse. Juste un mot, juste vraiment un mot. Juste un mot. Donc, pour, d'abord pour dire, mais il l'avait déjà lui-même bien senti qu'il n'y a pas vraiment de contradiction entre ce qu'a dit Jean-Pierre Rosenzweig et ce que j'ai dit, pour dire que ce qu'il vient de souhaiter, nous le faisons beaucoup en réalité. Nous commençons, nous faisons ou nous prolongeons des choses, par exemple école ouverte, ça existe. Vraiment, j'invite les personnes ici présentes à regarder parfois les sites web des institutions, pardon, mais qui sont les rectorats, le ministère, qui expliquent quand même que des choses comme ça sont en route, parce qu'effectivement, ces principes-là sont assez bons. Et puis par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a tellement de sortes de parents d'élèves. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer la carotte et le bâton, etc. Il faut utiliser tous les instruments. On a des parents d'élèves. Moi, j'ai en tête un parent d'élève qui justement amenait un de ses élèves à l'internat d'excellence. C'était une personne immigrée aussi qui disait en gros, moi j'ai emmené mon enfant là, jusqu'où je pouvais, je vous le confie pour que vous l'ameniez beaucoup plus loin et je vous fais confiance, j'ai en effet confiance en la République. Et donc ce parent-là, l'institution a su trouver ce qu'il fallait lui répondre. Et puis il y a d'autres cas, il y a où parfois il faut savoir montrer un peu de sévérité. Et puis je crois, et ça j'avais proposé une fois au préfet de Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, on s'était proposé mutuellement, de centrer l'aide sociale sur certains établissements scolaires. Par exemple, vous voyez que l'allocation de rentrée soit donnée dans le cadre de l'établissement scolaire, parce que souvent dans certains quartiers, l'établissement scolaire est le dernier vrai grand service public dans lequel on a confiance, et de façon à ce que, moi j'ai pas peur du mot, il y ait un peu de conditionnalité parfois, c'est-à-dire que l'allocation scolaire de rentrée soit utilisée à bon escient, pour faire venir les parents au sein de l'établissement. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer certains principes à d'autres, il faut au contraire utiliser toute la gamme des outils que nous pouvons avoir, et puis aussi le dernier mot que je voudrais dire, parce que j'ai parlé de confiance en commençant, cultivons quand même un certain optimisme. C'est-à-dire qu'il y a derrière trop de questions, il y a cette idée que ça va très mal, que tout fiche le camp, etc. C'est pas vrai. D'abord, quand on regarde nos résultats, ils sont pas si mauvais que ça, ils peuvent être bien meilleurs, mais ça va. Il y a 70 à 80% des élèves de France qui sortent du système très correctement. Il y a même, du côté des enfants d'immigrés, plein de gens, et puis certains finissent à Sciences Po, d'autres ailleurs, mais plein d'enfants qui sont en train de s'en sortir, mais ça se voit un peu moins que ceux qui présentent des difficultés. Donc ne sortez pas de cet amphithéâtre en vous disant tout fiche le camp, ils nous ont raconté des sornettes. Non, il y a une prise de conscience sur ce qu'il faut faire. Ça n'est pas facile, ça prend du temps. On ne pense pas tous la même chose sur ces sujets, mais en tout cas, on essaye d'avoir du bon sens par rapport à des problèmes sociaux qui sont bien réels. Et donc, je crois qu'un des points importants, Jean-Pierre Rosenzweig a parlé de communication, c'est en effet de partager ça. C'est-à-dire qu'il y ait de la connaissance, qu'on ne parle pas simplement de la part du haut de son chapeau, mais simplement parce qu'on partage des connaissances et une connaissance de ce qui se passe aujourd'hui dans le système éducatif français pour de vrai. Voilà. Merci Jean-Michel Blanquer. C'est pas d'aujourd'hui, hein, sur les parents et sur l'école. Je crois me souvenir que Condorcet avait imaginé qu'il puisse y avoir que sur la place du village, les parents amènent les enfants le jour de la rentrée, que l'aîné des parents s'adresse à l'instituteur en lui remettant très symboliquement les enfants pour leur instruction, et que l'instituteur accepte cette mission au nom de la collectivité, et le soir remette les enfants à leurs parents pour leur éducation. Ça. Un peu plus de 2 siècles. Richard Descoings, et ce sera le mot de conclusion, car... D'accord. Conclusion, mais pas trop synthèse. C'est que finalement, j'aime pas trop l'idée de la synthèse, ni de son association à Sciences Po. 3 points. L'échec scolaire et sa place aujourd'hui. Deuxièmement, comment on fait? Vous avez beaucoup posé la question. Et puis, je n'irai sur la hiérarchie des statuts qui provient de la hiérarchie des grandes écoles. L'échec scolaire, sa place aujourd'hui. Vous nous avez dit plusieurs, mais attendez, hein, ça va pas si bien. N'oubliez pas, j'ai à la fin des années 1970, certaines et certains d'entre vous sont comme moi, on l'a connu les années 70, hein, il n'y a pas si longtemps. L'école était à 2 vitesses. 10% des jeunes allaient au lycée, et puis au bac, et puis dans les classes prépa, et puis dans les grandes écoles, et 90% des jeunes sortaient à 12 ans, puis 13 ans, puis 14 ans de l'école, et on n'allait pas au lycée. Et donc il n'y avait pas d'échec, puisque les jeunes, ils n'étaient pas là. On était entre soi tranquilles. Tranquille, on n'avait pas à pas partager. L'homogénéité sociale des lycées, elle était parfaite. Et puis, c'était vachement bien, on avait le certificat d'études.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur le certificat d'études ? Ce diplôme qui menait à l'usine, directement à 14 ans, formidable. Bon. Sur l'échec scolaire, aujourd'hui, on le voit, parce qu'effectivement, on a démocratisé le système. Et effectivement, il y a dans le système des jeunes qui échouent, et ça se voit. Avant, ça se voyait pas, maintenant, ça se voit. Et comme ça se voit dans notre société, ça dérange. Je peux pas être très long, je vous conseille la lecture d'un ouvrage de 110 pages d'un économiste qui s'appelle Éric Morin, qui est même pas économiste, c'est à Sciences Po, vous voyez, qui, c'est un ouvrage qui s'appelle La peur du déclassement et qui démontre mathématiquement, scientifiquement, que entre 1975 et 2008, les progrès de la démocratisation ont été stupéfiants. Stupéfiants. Jamais il n'y a eu autant de diplômés et jamais ceux qui ont eu accès aux diplômes n'ont été aussi bien protégés du chômage. En revanche, ceux qu'on laisse de côté, ben, ceux-là, on ne veut pas, ils n'ont pas le niveau, ceux-là, c'est la catastrophe absolue. Et c'est ceux-là qu'on voit, effectivement, à travers la violence, etc. Donc non, c'est un système qui marche beaucoup mieux que jusqu'à la fin des années 70, simplement, ce qui ne marche pas, ça se voit. Deuxièmement, comment on fait ? J'ai un conseil à donner à tout le monde. Moins d'heures de classe chaque semaine dans nos collèges et dans nos lycées. Le sujet n'est pas d'apprendre, quelqu'un a dit, mais le stock de connaissances, il est multiplié par deux tous les 10 ans. Justement, il ne faut donc pas espérer que l'école apprenne aux jeunes en combien 5-10 ans, tout ça. Il faut apprendre à apprendre. Moins d'heures de cours au lycée, c'est entre 30 et 40 heures par semaine. Les lycéens nous disent, mais vous les adultes, vous acceptez plus des rythmes pareils. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On leur demande d'ingurgiter, puis de régurgiter. Ça leur plaît pas. Et ça développe pas l'esprit critique. Des perroquets, et comme donc, disait madame. Comment on fait ? On diminue tout ça. Et ça donnera du temps aux parents. Troisièmement, sur la hiérarchie des grandes écoles. Et ce sera le dernier mot. Et ça sera mon dernier mot. Un, c'est le côté aberrant des choses. C'est que les grandes écoles, au lieu de certifier un niveau, elles confèrent ou elles confortent un statut social. Et donc, on peut me poser cette question. J'ai fait seulement cette école. Comment je peux aller aussi haut que si j'avais fait HEC et Sciences Po ? Et la réponse, Dieu merci, c'est que le diplôme, quel que soit le diplôme, ne vous garantit aucun droit à la réussite professionnelle. Et heureusement, heureusement que c'est pas à 20 ans, à 22 ans, quand vous n'avez encore rien fait, rien vu, rien dit, que la voie est tracée. Et donc, imaginez-vous qu'on vous bourre le crâne avec cette idée de la hiérarchie des écoles, que la réalité, ça marche les 2, 3, 4 premières années, et après, vous réussissez en fonction de votre capacité à travailler en commun par vous-même. Merci Richard Descoings. Je voudrais qu'on associe à ces applaudissements, voire qu'on reprenne des applaudissements pour les étudiants qui ont préparé. Je suis confus auprès de deux d'entre eux à qui j'ai pas pu donner la parole. Il s'agissait de Florian de l'Université Paris 8, de Mehdi de l'IAE de la Sorbonne, de Sandra et Franz de l'ISSEC, de François Télécom Paris Tech, de Bertrand et Eric de l'ISG. Évidemment, je voudrais qu'on remercie chaleureusement Marc Drilet, Jean-Pierre Rosenzweig, Jean-Michel Blanquer et Richard Descoings. Allô ?